à toutes et à tous, l'AM Compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui sur Planète Zoo et qui plus est avec le nouveau DLC qui vient tout juste de sortir ce 19 septembre. C'est l'Oceania Pack, donc le nouveau DLC, le pack sur l'Océanie. Vous avez vu justement la cinématique de début, comment c'est magnifique, c'est tropical et c'est juste parfait parce que ça va être vraiment le thème que j'ai envie d'apporter à notre, j'allais dire parc d'attractions, mais du coup non, puisque ce sera un zoo. Même si en soi c'est aussi un parc d'attractions en soi, mais c'est pas pareil. Voilà, les animaux, ce ne sont pas des objets sensationnels, ce sont des êtres vivants, d'accord? Non mais regardez-moi comme c'est mignon. Alors quand vous regardez ça, c'est juste magnifique. Voilà, c'est en fait l'ambiance océanique. À savoir que du coup j'ai réfléchi en fait pour savoir un petit peu l'idée du parc que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, ceux qui me connaissent, vous le savez, j'adore l'ambiance cubaine, j'adore Cuba. Voilà, j'y suis jamais allé, mais j'aimerais vraiment y aller un jour. Sachez que ça n'a rien à voir, le DLC, c'est littéralement de l'autre côté de Cuba. Mais ça nous empêchera pas de faire des petits clins d'œil parce que ça reste tropical, ça reste l'ambiance. Donc c'est trop trop cool. On a des petits pingouins, on a des quakas. Je sais pas c'est quoi. Voilà, on a des. En termes d'animaux, je ne connais pas, mais on va se renseigner sur le jeu, du coup, puisque évidemment, sur le jeu, on pourra voir qu'est-ce que c'est comme animaux, etc. C'est trop bien fait. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est que voilà, il y a plein de constructions, de nouveaux blueprints, voilà, de nouveaux. Voilà. Nouvelle végétation, nouveaux objets, et ça c'est trop cool. Donc vous le savez, j'ai acheté le tout dernier en date, à savoir le Oceania Pack. Et en prime, j'ai rajouté Aquatic Pack et Tropical Pack. Donc vous avez compris, moi je veux rester dans l'ambiance tropicale. Et je trouve que Oceania, Tropical et Aquatique, les trois de toute façon matchent super bien ensemble. J'ai vu qu'on va pouvoir faire des dômes apparemment dans les cages, comment on appelle ça, dans les enclos. Voilà, on va pouvoir faire des bulles où les visiteurs pourront passer par en dessous, genre même sous l'eau, enfin ça c'est incroyable, c'est juste insane. Oh le plaisir. Oh le plaisir. Donc du coup nous directement on va se lancer en bac à sable hein, évidemment. Mcofric, ah oui j'avais fait un jeu de mots avec l'Afrique et Mcofric du coup, parce que le but c'était de faire un maximum d'argent sur le parc. C'était en live, vraiment j'ai fait deux lives, c'est tout hein. Vous voyez il y a le zoo de la famille Goodwin. Et donc ça vient du DLC donc Oceania. Et c'est sur une île, littéralement c'est sur une île. C'est trop bien, c'est vraiment, t'as une île et t'as l'océan tout autour. Et j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop avoir ça. Le problème c'est qu'avec les biomes classiques, je crois que ce n'est juste pas possible. Vous voyez, c'est de la montagne qui est tout autour et il n'y a pas d'océan. Bah écoutez, pour le moment, ouais, on va l'appeler Tropizo et je vous laisserai me dire en commentaire vos idées. On en parlera tout à l'heure, mais là, j'avoue, je suis un peu perdu. Allez, on va créer le zoo. Oh putain, il a une aussi grosse queue que moi, tu sais. Oh ouais, c'est magnifique. Alors, je mets tout de suite le jeu en pause, même si on s'en fout un petit peu, parce que comme dit, on est en mode bac à sable. Donc, si on est en déficit, c'est pas bien grave, mais moi, ça me stresse de voir du déficit ici et là. Regardez-moi comment c'est magnifique. Là par contre il y a un truc qui est pas voilà, qu'on peut pas enlever au jeu, c'est que malheureusement Planet Coaster est quand même délaissé. Tout le monmonde nous dit qu'il va y avoir un Planet Coaster 2, mais la vérité c'est qu'on en a jamais entendu parler de la part des développeurs. Par contre Planet Zoo s'est mis à jour tellement régulièrement et graphiquement parlant, mais regardez comment c'est magnifique, limite j'ai envie de m'installer là-haut et de faire une base. Ah non, on n'est pas sur un jeu de survie, mais c'est incroyable, c'est juste magnifique. Alors on a un petit arbre qui est paumé ici et vous savez quoi, on va le laisser, on va vraiment rester. C'est une vraie question que je me pose, est-ce que c'est aléatoire ou pas? Est-ce que tous ceux qui créent un monde sculpté, est-ce que tout le monde a la même chose ou est-ce que c'est aléatoire? Parce que si c'est vraiment aléatoire, je partirais du principe que on va laisser au maximum tel quel parce que ça rend super bien vu que c'est aléatoire. Voilà, c'est le monde, on va pas le dévaster quoi. Ça peut être une idée. Où est l'entrée là? Je me suis perdu. Elle est là l'entrée. Voilà, très bien, c'est plutôt pas mal. On va juste... oh c'est formidable ça. Voilà, on va se mettre sur du 14h, 15h, comme ça on verra un petit peu mieux. Et on peut choisir les conditions climatiques aussi, ça c'est vraiment chouette. Incroyable, on peut mettre de la neige, etc. Et là normalement il est censé faire beau. Faut pas croire mais le jeu quand même est du coup super compliqué, super complexe hein, parce que là on parle quand même d'animaux, d'espèces vivantes. Alors les horaires d'ouverture du parc, déjà écoutez. Bon pour le moment on va laisser ça comme ça. Les billets, on va partir sur du 5... $ adulte, $3 enfant. Jamais de la vie on laisse au même prix pour les deux hein. Oh ça va ou quoi là? Le bien-être des animaux, il faut gérer les températures, il faut gérer l'électricité. Vous voyez genre là il y a une zone d'électricité grâce à ce bâtiment. C'est il va falloir gérer plein de choses. Déjà on peut voir du coup la température justement. Ouais on est sur une trentaine de degrés d'accord. Donc là évidemment les animaux, il faut qu'ils soient bien dans un univers à une trentaine de degrés, d'accord. Pour commencer, tout sera amené à être déplacé. Encore une fois, on est en bac à sable. C'est ça l'avantage. Il faut qu'on fasse un centre de recherche.
locaux du personnel, centre de recherche. Et d'ailleurs, du coup, avec tous les DLC que j'ai, bien que je n'en ai pas énormément, bah du coup, on a quand même pas mal de choix. Et on va rester sur l'ambiance Océanie. Regardez-moi ça. Alors, on va prendre le moins cher pour commencer. Non, on s'en bat les steaks, on est en bac à sable, on va prendre le plus cher. Ça fera plus de recherche de toute façon, donc c'est quand même mieux. Regardez-moi ce bâtiment, comment il est magnifique. Ok, ça aussi, il y a des... Alors, pareil, il y a des trucs, je suis pas familier. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Outils forme de terrain. What? Mais... Ok, mais pourquoi donc? Mais c'est incroyable. Je sais pas encore comment on va utiliser ce truc, mais ça c'est chouette. Bon, ici je voudrais qu'il y ait un cours d'eau, d'accord? Un cours d'eau même plus ou moins grand, hein, c'est pas un problème. C'est pas mal là le cours d'eau comme ça. Maintenant on vérifie juste qu'on peut bien mettre de l'eau dedans, donc de l'eau calme. Oh, c'est trop bien fait par contre. Ce qui serait pas mal, on va augmenter la taille, c'est que ça passe du coup en dessous du chemin de l'allée principale. Bien que on ne sait pas encore comment ce sera. Mais là admettons qu'il y a le chemin principal. Là il y aura déjà un pont justement. C'est magnifique. Et ça on peut laisser sur le sol. Puisque c'est là qu'il y a la porte d'entrée. Donc après là tu pourras marcher tout autour. Des fenêtres, parfait. Avec les fenêtres sur la vue, sur le parc. Ça va être génial. Ça va être génial. Vraiment, ça va être génial. A few moments later. En fait, ça me fait trop chier de créer un parc. Je m'en rends compte, c'est pas du tout comme ce que j'imaginais. Après, on pourra même partir du principe. Alors bon, évidemment, c'est pas symétrique. Et encore, oh purée, c'est presque symétrique ce que j'ai fait, hein, par rapport au milieu là. Mais on pourra toujours, voilà, mettre des cascades ici. Là, ici, on pourra faire un truc aquatique, par exemple. Là, ce que je suis en train de faire, on pourrait être un enclos aquatique ici, là. Attendez, je vais juste faire le tour avec de l'eau. Et voilà. Donc là, évidemment, le bateau, il est accroché. Ça, j'avais pas fait attention, mais il est accroché. C'est tellement bien fait. Et tout ça, c'est des éléments individuels, hein. C'est des choses que nous-mêmes on pourrait faire, quoi. Voilà, nous on est là dans le souci du détail quand même. J'ai dit que je me prendrais pas autant la tête que sur Planet Coaster et je suis déjà en train de commencer les détails, hein. Eh, attendez, c'est trop bien fait. La musique, quand t'es hors de l'eau et sous l'eau, la musique est étouffée. Non mais, je suis désolé, hein, je découvre, hein. Je découvre Planet Zoo, tous ceux qui connaissent, vous devez être en mode, voilà, vous voyez un enfant qui découvre, mais c'est vraiment formidable. D'ailleurs, si je peux conseiller une chaîne YouTube, j'en profite maintenant, là, je fais du Planet Zoo, donc si déjà, on va envoyer de la force, n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas, Gabi en jeu, elle fait beaucoup de vidéos, maintenant en tout genre, mais elle fait beaucoup de vidéos sur Planet Zoo, donc n'hésitez pas à aller voir son travail, parce que c'est vraiment fort. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir Gabi, ça suffira, c'est déjà bien consolidé comme ça, ça, c'est vraiment chouette. Du coup, nous avons... Regardons l'intérieur quand même, parce que c'est tellement propre. C'est tellement propre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Sachant que j'ai aussi pris des trucs sur le workshop. Petite salle, grande salle. Évidemment, mes employés méritent tout le confort du monde, donc on va partir sur une grande salle. Ah ouais, mais regarde, en plus là, ils ont la vue en haut. Ils voient tout le parc. Mais en fait, le personnel, ils auront la meilleure vue que les visiteurs, hein. Et voilà. Voilà, ça fait une petite place pour les employés. Il n'y a plus qu'à relier. Et là, c'est dommage, tu vois, je peux pas faire ça et ça. Ah si, ça marche. Ok, c'est bon. On peut quand même faire... Voilà. C'est quand même plus sympa. Non, bah on va... c'est les vétérinaires qu'on va engager, non? Allez, donc on va en engager 1, 2, 3. Bienvenue à vous. Transporter un animal, soigner les animaux, faire des recherches vétérinaires, se débarrasser des animaux morts et endormir l'animal en fuite. D'ailleurs, je peux leur enlever des tâches. Et ça, c'est pas mal. Ok. Du coup, on va lui créer une zone de travail. Donc ici, on va appeler ça du coup recherche et développement. Pas de salle du personnel dans la zone de travail. Ah si, il faut que j'ajoute ça du coup. Voilà. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir affecter madame avec donc la zone de travail recherche et développement, recherche et développement, recherche et développement. C'est super bien fait, donc en fait du coup c'est lié maintenant, cette zone, elle est liée voilà avec la maison des employés juste ici. Donc du coup les deux sont ensemble. Bon, du coup on va se renseigner sur les animaux qu'on peut amener. Déjà dans un premier temps, on n'est pas sur un climat tempéré, on est sur un climat chaud, d'accord? Donc là on va prendre la rubrique Océanie, déjà, dans un premier temps. Et on peut voir les animaux qui peuvent y vivre. Éventuellement, on a des blattes, super. On a des sortes de dindons, des crocodiles marins. Alors, les crocodiles, pour des raisons évidentes, on va pas les faire passer dans les petits fleuves, parce que si quelqu'un tombe dedans, on a l'air con. Les diables de Tasmanie. En plus, c'est une espèce en danger, vous voyez. Encore, les crocodiles, c'est pas bien grave. On va surtout s'occuper des espèces en danger, je pense. Les dingos, c'est vulnérable. Ok, on a les koalas. Les manchots. Les manchots pygmées, donc pareil, ça vient du DLC Océanie, ça c'est chouette.
manchot. Très bien. Voilà pour les petits animaux d'Océanie. Plus de serpents qu'autre chose. En fait, tous ceux qui résistent surtout à la haute chaleur. Si on prend tropical, donc de tous les continents, là on a un petit peu plus de choses, des chimpanzés. Espèce en danger critique d'extinction. Ça, c'est horrible. Maintenant, j'aimerais savoir. Habitat naturel. Afrique. Donc là, ils sont clairement pas en Afrique. Hein. Nous, on est plutôt du côté océanique ici. Hein. Clairement à l'opposé. Cuba, c'est là d'ailleurs. Température 8, 42 degrés. Bon, on arrive du coup à 37 degrés en effet. Du coup, ça peut être pas mal de commencer avec des chimpanzés. Même si le problème est que c'est en danger critique d'extinction. Donc on va peut-être pas commencer par ça. Sinon, on va être dans le. On va être dans la galère. Bien sûr, on a des iguanes. On pourrait commencer par ce genre de choses. Mandrille. Oh, c'est mignon ça. Un sapajou capucin. C'est trop mimes. Et c'est une espèce vulnérable, mais ça va. C'est pas. On va pas trop faire de dinguerie. Et il habite, vous voyez, pas loin de Cuba. Il habite pas loin de Cuba. Donc on est vraiment dans le thème que je voulais. On en croise beaucoup sur Far Cry 6 d'ailleurs. On pourra toujours changer, bien sûr, le sol. Hein. Parfait. Voilà, on adapte ça aux personnes mobilité réduite. Bon, on verra si on customisera le tout. Hein. Pareil pour les barrières là actuellement. C'est quand même peut-être un petit peu plus malin. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir l'allée. Là, du coup, on va mettre de l'herbe. Attends, du coup, on va juste continuer comme ça. On va mettre de l'herbe. Tac. Et on va faire un petit tour comme ça. D'accord. Et là, il y aura les chimpanzés là, ici. Enfin, je dis les chimpanzés, mais les petits singes. Ce qui est pas mal aussi, c'est que ça offrira une vue. Ah ouais, mais non, mais j'avais oublié. Là aussi, j'aimerais que ce soit un enclos là. Ah, c'est chiant. Ah, je me suis bloqué dans mon idée là. Parce qu'en gros, j'aimerais que là il y ait l'enclos de chimpanzé, mais il y aura encore de l'eau évidemment. Ce sera quand même plus large que ça. Le problème, c'est que là j'aurais aimé aussi. Après, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, au pire. On va faire partir ça comme ça. Vous inquiétez pas, j'ai une double idée là. J'ai vraiment une double idée. Hop, on va faire partir le chemin. Juste par ici. Je vérifie juste que c'est pas trop casse-gueule. Comme ça, ça m'évite d'aplanir le terrain et on laisse naturel tel quel. Hop, on va faire passer aussi un chemin par là-bas. Ça va dispatcher deux zones qu'on verra par la suite. Du coup, les amis, hein, les fans de Coaster Planet Zoo, pardon, n'hésitez pas à me dire des idées en commentaire, je veux dire des astuces, des conseils. Par exemple, pour savoir voilà, comment calculer la superficie qu'on a ici, quoi. Parce que par exemple, bah, moi j'aimerais bien que mon chimpanzé se sente bien là. Il lui faut, pardon, c'est pas un chimpanzé, c'est un sapajou capucin. Il lui faut 210 mètres carrés, d'accord, 210 mètres carrés. Et 20 mètres carrés de hauteur, mais ça ce sera pas un problème avec les arbres. Comment tu fais pour savoir 210 mètres carrés? Est-ce que là ici, il a 210 mètres carrés ici? Ou est-ce que là, il a 210 mètres carrés? Comment on fait pour savoir, quoi? Voilà. Est-ce qu'on a du coup une superficie, une valeur là quelque part? Non? Voilà, donc je sais pas du tout si la superficie là est suffisante. Mais en tout cas, on a un enclos déjà, ça c'est clair et net. Du coup, je pense qu'on va plutôt mettre les singes de ce côté là. Ah oui, si, tiens. Parce que là, t'as l'eau aussi là. Ça c'est pas mal. Maintenant, faut savoir quel arbre il aimerait quoi. Arbre en pierre? Ah oui, c'est des faux arbres. D'accord. Moi j'aimerais bien voir. Thème. Océanie. Voilà. Ah ouais, il y a des cascades préfaites et tout. Oh, oh oui, bien. Ah, c'est vraiment Cuba là. Si ça lui fait pas un coin d'ombre, c'est juste parfait. Il y a juste les visiteurs qui vont se prendre le truc là. Attendez. Voilà, ce sera bien mieux comme ça. Là, c'est plutôt pas mal. On va tout de suite refaire du coup une clôture ici. Ah, c'est pas mal le vert. C'est vraiment mignon, c'est super chouette. Allez, on va partir là-dessus. 2 mètres de hauteur donc. Ah, j'espère que la taille sera bonne hein, pour ces animaux là. Hein. Par contre le truc c'est que là si le chimpanzé il monte là, il pourra s'enfuir quand même. Hein. On va leur faire suffisamment d'espace derrière aussi parce qu'il leur faut un truc d'habitat derrière. À la limite du coup je l'aurais peut-être mis là. Et là j'ai peur que ça gâche la vue. Ah non c'est bon. Là les gens pourront voir sans problème. Et en faisant le tour ici également, ils verront. Très bien. Ouais, vraiment, faut que vous me dites en commentaire comment on fait pour savoir l'espace qu'on a dans un enclos. S'il y a une technique pour calculer ou quoi. Bon, bah écoutez, on va en prendre un sapajou capucin. Hop. Voilà, comme ça, ça c'est sur la terre ferme aussi. Hop, on relie l'allée. Oh là là, calme-toi quand même. Je vais prendre ce mâle qui a 12 ans. Donc là, je l'ai emmené là-dedans, dans le centre d'échange, d'accord ?
Ah, je peux l'emmener là. Apparemment, il a assez d'espace. Mais c'est pas là que. Ah, ok. En fait, là, il faut mettre une porte. Attendez. Eh, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Je suis juste au bout de ma vie, mais je comprends. Alors, on va mettre une porte. Donc, pareil, en bois là. Hop. J'espère qu'il y a de l'électricité. Hop. Centre d'échange. Animaux. Envoyé dans le zoo. Et là, je vais l'envoyer ici. Livraison programmée. Ouais, regardez, c'est horrible. Le mec il transporte le singe dans une caisse en bois quoi. Hop. Et voilà le travail. Et voilà toc. Notre petit chimpanzé. Ah oui, mais il est minuscule en fait. Vous n'avez aucun soigneur pour vous occuper de vos animaux. Ok. Et voilà. Eh ben, il a l'air de s'amuser là, comme un petit foufou là. Il est déjà dans l'eau, bien-être, ok. Alors qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour qu'il se sente bien? Terrain, donc il lui faut déjà un abri solide. Bon, on va lui faire un petit abri là, ici là. Regardez, c'est juste l'endroit parfait pour un petit abri. Voilà, je pense que ça c'est une idée pas mal pour un peu préserver les animaux de faire ce que je suis en train de faire, je ne sais pas. J'essaye un truc. Ah, un petit piano! Ils adorent jouer du piano. Alors attends, pour le moment je vais mettre ça là, on mettra sur un support sympa. Boîte de dons. Oh, c'est bien ça, comme ça les gens ils donnent de l'argent. Hop. Et hop. Voilà, ça fait un petit peu moins con j'ai envie de dire. Hop, on met le synthétiseur là-dessus. Carré de chez carré. Bon, ensuite. Alors, optimisation alimentaire. Ah bah c'est que c'est pas bon. L'optimisation alimentaire, elle est complètement conne. Attends, je sais. Quantité, c'est parce qu'il y a zéro aussi. Aucune espèce adaptée? D'accord. Ça dégage. Ça mange des bananes, non? Arbre pour fruits. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est à 100%. Alors. Donc là, son bien-être, il est au top. Oh, il fait du bruit. Oh, il y a des visiteurs! Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des visiteurs. Ok. On va lui mettre de la terre là. Tout est bon, les gars. Bon, c'est la magie du bac à sable, hein, c'est que tu peux vite corriger des trucs. Tout est bon. Après, il n'y a plus qu'à rendre joli, mais je veux dire, d'abord, c'est habitable. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Maintenant, il n'y a plus qu'à ramener encore des copains à lui, là. Oh, il est en train de s'amuser avec le carton. Trop bien. Là, il est en train de se régaler. Oh. Oh. On a un nouveau chimpanzé qui est arrivé. Oh my god. Oh putain, il lui a balancé l'autre chien posé sur lui encore. Ok. Donc normalement ils ont tout pour eux. Hein. Ah, ils ont une blessure par contre. Lui il a une blessure. Lui il est bon. Ok, ils sont tous bons. Il y en a juste un qui a une blessure. Ah, je crois qu'elle est contente de voir sa blessure. Oh, il y a encore un singe qui arrive. Ah ouais, c'est trop là. Là c'est trop. On a combien de singes du coup? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 chimpanzés. On va retenir ça parce que s'il y en a plus, c'est qu'ils auront fait crac crac boum boum. Hein. Par contre, j'ai pas pensé aux visiteurs. Les pauvres, ils viennent et ils repartent. Par contre, faire des safaris, ça c'est incroyable. Hein. Oh. Ça c'est incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Animal, grave blessure découverte. Bah je sais, mais il me faut un. Il faut que le soigneur arrive. Ah bah voilà. Alors, dis-moi tout, pauvre Fernanda. Qu'est-ce qu'elle a, ma Fernanda? Tu vas où là? Non mais. Mais elle m'a pas réparé la blessure. Mais elle est conne. Bon bah tu vas crever, hein, madame. Ta blessure, on peut rien y faire apparemment. Ok, bon, on va mettre un panneau solaire du coup. Donc ça va faire toute la zone. Ah putain, mais c'est con quoi. J'avais même pas pensé à ça quoi. Ouais, bon, d'accord. Bah écoutez, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais on a des chimpanzés quoi. Vous vous rendez compte que j'ai pris 1 h 20 pour ça? Ah, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, je sais. Je sais. En fait, ça me fait trop chier de créer un parc. Je me rends compte, c'est pas du tout comme ce que j'imaginais. Par contre, ça me donne trop envie de visiter des parcs. C'est ça la différence. J'ai envie de visiter des parcs Planet Zoo, justement, de moi-même. Tu vois, en gros, parce que c'est quand même plus sympa qu'un Planet Coaster dans le sens où tu te mets dans la vue d'un visiteur et tu te dépayses, tu vois des animaux, tu vois comment ils sont gérés dans les enclos, etc. Et tu vois, je repense encore une fois à Gabi.
qui fait des vidéos sur Planète Zoo, et justement avec des très beaux zoos. Et du coup, je m'imaginerais bien visiter des parcs, des zoos, quoi. Ouais, je trouverais ça assez intéressant. Je sais pas du tout si ça vous intéresserait. Pour le coup, là, c'est compliqué. Je me vois pas continuer à faire ce parc. Et je comprends mieux pourquoi il y a un an, j'avais essayé en live et ça a pas duré plus de live. Parce que j'y connais tellement rien et niveau créativité, du coup, ça sert à rien. Je veux dire, c'est pas comme un parc Planet Coaster. Là, le but, c'est que ce soit joli pour les visiteurs, mais surtout vivable pour les animaux. Et en fait, je suis rincé là-dedans. Voilà, c'est un petit peu terrible, hein. Bah voilà. Bah, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié quand même cette vidéo. Ça change un petit peu, c'est toujours sympa. Ça fait un peu une petite vidéo découverte, finalement, de Planet Zoo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like. Et si des visites de zoo vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.